Est-il vraiment question de Jésus ou de moi-même? Ou bien, si nous sommes capables d'élargir le cadre, est-il vraiment question de Jésus ou de nous-mêmes? Tout sacrifice n'a fait, tout ça n'a fait dans l'Église, là, chaque fois nous venons faire un point quelconque, quel que soit ça n'a fait, activité que n'a fait, est-ce que vraiment m'a fait pour la gloire de Dieu ou bien m'a fait pour que je sois capable de faire tête moins paraître? Il y a deux dates de l'année que les chrétiens du monde entier, de toutes les croyances, célèbrent avec intérêt. La date de la nativité qui apporte de la joie et du bonheur, et la date de la semaine sainte qui remplit de gratitude et d'émotions profondes les cœurs de tous les chrétiens. Il est vrai que la date de la nativité n'est pas révélée par la Bible, mais d'une façon générale, ces deux dates sont très importantes et inséparables. S'il n'y avait pas eu de nativité, il n'y aurait pas eu de semaine sainte. S'il n'y avait pas eu de semaine sainte, la nativité aurait perdu de son importance et de son but. Ce qui doit retenir notre attention ici, c'est l'importance accordée à cette date sans aucune considération pour la réalité qui est Jésus. Après le péché de nos premiers parents en Éden, l'homme était perdu. Mais Dieu ne voulut pas abandonner ses enfants au désespoir. Du milieu de l'obscurité, il fit luire une étoile d'espérance. Il leur dit qu'il ne les abandonnerait pas. Il leur fit la promesse d'un sauveur qui se chargerait de porter leur meurtrissure et de mourir à leur place. Et la promesse se lit ainsi. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu la blesseras au talon. » Durant 4000 ans, cette promesse était la base de l'espoir que nourrissait la minorité qui aimait Dieu et attendait le salut. Ils exprimaient leur foi et leur confiance en Dieu en offrant des sacrifices d'animaux innocents sur l'autel, symbolisant l'agneau de Dieu, le Sauveur qui viendrait mourir à la place de l'homme. Et nous connaissons, les promesses de Dieu sont certaines et véritables. Lorsque bon Dieu fait une promesse, elle n'est pas accomplie quand même. Il est vrai que y a tendu presque 4000 ans. Mais bon Dieu pas jamais trop pressé, ni pas jamais en retard. Il est toujours à temps parce que bon Dieu gagne un temps pour chaque bagaille dans la vie. Et la Bible dit, dans Galates chapitre 4, la Bible déclarait, lorsque les temps furent accomplis, c'est monsieur qui a pédé dans ce sens, la Bible déclarait dans Galates chapitre 4, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son fils qui naquit d'une femme. OK. Bon Dieu, vraiment, moment arrivé pour Jésus capable de faire, bon Dieu voyait Jésus pour capable de faire vraiment. Mais ça qui intéresse, il y a un auteur spirituel qui fait une déclaration que nous prenons l'Italie comme ça. Et il y a un auteur que vous-même avec moi nous remet, et il fait une déclaration ça. Il dit lorsque moment arrivé pour Jésus fait, qui s'est passé, les anges de Dieu, ils ont venu visiter zone là côté Jésus pour le fête. Il dit les anges viennent dans le pays où la gloire de Dieu s'était manifestée, où la lumière de la prophétie avait brillé. Ils vinrent invisibles à Jérusalem auprès des ministres de la maison de Dieu chargés d'expliquer les oracles sacrés. Bon Dieu fait toute bagarre dans l'ordre. Gagner leader, gagner monde qui responsable. Si gagner une nouvelle de cette envergure qui doit bail, il aller bon côté leader yo pour que capable révéler yo, mais ça qui va le passer pour que peuple là
pour yo même pour capable délivrer message ça bay peuple parce que c'est eux même qui responsable pour expliquer les oracles sacrés. Même gens avec Jodia ou même avec moi en tant que leader ou bien dirigeant d'église, c'est responsabilité nous pour que nous capables attirer l'attention du peuple sur la seconde venue de Jésus. C'est responsabilité nous pour nous capables attirer l'attention du peuple sur les signes avant-coureurs qui montrent nous que Jésus-Christ est à la porte. Et lorsque les anges de Dieu sont venus à Jérusalem, viennent visiter zone côté Jésus pour le fête, et ils sont allés vers les dirigeants, vers les leaders. Ils sont allés dans le sanctuaire ou bien dans le temple, et les arrivés, ils ont joué un service à fête dans l'église, en vrai. C'est prier à fête, toute activité qui qu'on a habitué à fête, ils ont continué à fête. Cependant, toute activité ça a fait là, était-il vraiment question de Jésus? On nous lit l'autre paragraphe là pour nous, Mais ça, il dit non. Ils répétaient leurs vaines prières et accomplissaient les rites du culte pour être vus des hommes. Mais à cause de leur soif de richesse et d'honneur mondain, ils étaient peu préparés à recevoir la révélation du Messie. Vraiment, il y a un temple, il a fait service, travail, tout ça qui doit être fait, a fait dans le temple. Mais était-il vraiment question de Jésus? Non! Tout le monde a réglé les affaires, tout le monde a fait ça, il doit faire pour faire tête paraître. M'a demandé nous question ça jeudi. Quel que soit ça que vous avez, ou bien position que vous avez dans l'église, lorsqu'on fait un travail dans l'église, est-ce qu'on va faire vraiment pour la gloire de Dieu, ou bien on va faire pour capable faire étalage? Est-ce que on va faire pour que le nom de Dieu capable de glorifier et pour le peuple bon Dieu capable d'édifier, ou bien c'est chaud que vous venez bailler? Monsieur yo, jwenn moyen, yo pas prêt en tant que responsable. Et gen yon l'autre déclaration que le fait dans page 31, c'est dans le livre Jésus-Christ, il dit si les conducteurs d'Israël étaient fidèles à leur mandat, ils auraient eu le bonheur de participer à l'annonciation de sa naissance, mais ils étaient mis de côté. Bon di nou bagay. Gen toi pour bagay ta remen nou songer. Position que nous occupons dans l'église, chers amis, ce n'est pas ça qui fait nous importance, qui ben nous importance devant bon Dieu. Quand on est simple membre d'église, qu'on fait partie du comité d'église, qu'on est chef d'un département, ou bien on est ancien d'église, ou bien on est pasteur d'église, ce n'est pas ça qui bat importance aux yeux de Dieu. Ça qui ben nous importance aux yeux de Dieu, c'est la relation personnelle que nous gagnons avec lui. Monsieur yo, pas de prêt. Leader responsable, le souverain sacrificateur, t'as doué prêt. Les pharisiens, les scribes, les lévites, ils n'ont pas prêt alors que service a fait en deux sanctuaires. Deuxième point, t'as remis nous retenir, lorsque nous avons servi dans l'église, nous devons faire ça avec crainte et tremblement dans l'humilité. Parce que c'est un privilège et une grâce imméritée pour nous collaborer avec bon Dieu. Ça que vous fait, position que vous gagnez dans l'église là, ce n'est pas un bagage qui pourra faire monter l'estomac ou pour faire comprendre son affaire, mais vous devez servir bon Dieu avec crainte. Et troisième point, notre infidélité n'est pas capable d'empêcher le travail bon Dieu aller de l'avant. Si vous êtes infidèle, bon Dieu, vous avez une responsabilité. Dans n'importe quel poste que vous avez dans l'église, là, ou pas prendre responsabilité ou en main, ça c'est une infidélité que liée. Et cependant, même lorsque vous êtes infidèle ou vous avez révélé infidèle, ça n'est pas capable d'empêcher le travail bon Dieu. Et alors que les anges viennent pour capable annoncer la naissance de Jésus, monsieur, ou pas prêt, est-ce que ça est capable d'handicaper que bon Dieu ait un message là quand même? Au contraire, la Bible déclarait, dans Luc chapitre 2, et la Bible, mais ça la Bible déclarait, puis l'ange Gabriel dit au berger, je vous annonce aujourd'hui une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et la Bible dit, immédiatement, le fils dit ça, une multitude de l'armée céleste
Yo joignent avec l'ange, y a chanté la gloire de Dieu, disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Maintenant, voyez-vous, mais bon Dieu que n'a servi, chers amis. Bon Dieu, pas tout le monde important pour bon Dieu, mais pas gain monde qui trop important pour bon Dieu. Les responsables, les leaders, yo révélé yo infidèles. Mais ça pas t'empêcher que bon Dieu bail message là. Et c'est ça que fait jodi a ou même avec moi. C'est pas position qui dans l'église qui rapproche de Dieu, mais c'est relation avec bon Dieu. Maintenant, à nous considérer pour un moment. Pour qui ça c'est berger yo qui te joint message ça? Pour qui raison c'est avec berger yo que les anges t'a révélé ou bien t'a délivré message ça? Mais ça même auteur spirituel ça fait déclaration, la servante du Seigneur. Il déclarait, dans les champs où le jeune David avait conduit ses troupeaux, des bergers veillaient la nuit. Ils rompaient le silence des heures en s'entretenant du Sauveur promis. Et ils priaient pour que le roi montât sur le trône de David. Par contre, si nous comprenons ça qu'il dit là, alors que la nuit côté Jésus pral fait. Non jour côté Jésus pral prendre naissance Messie ou bien prophétie et ça comme on te ka dit c'était espoir peuple là c'est ça yo t'attend. Mais Jésus pral prendre naissance et que les leaders, les chefs religieux, yo révélé yo infidèle, yo pas vraiment concentré sur la venue de Jésus. Maintenant, l'ange de Dieu pas joindre personne monde dans ville là. Juste non rager ou bien en champ côté que monsieur a gardé bête. Les bergers, c'est pas de monde qui te gagne un rang social vraiment. C'était dans bois, yo te kon passer plus temps pour y a gardé bête. Et des fois bête y a gardé pas même pour eux-mêmes. C'est pour l'autre monde. Et c'est eux-mêmes qui joignent révélation ça. Pour qui raison? C'est parce que d'après ça nous saute li dit pendant la nuit là, yo n'en rager, c'est vrai, mais ça qui était fait objet de leur conversation, c'était le Sauveur promis. C'est-à-dire, ils ont parlé de Jésus. Ça qui était intéressé, c'était Jésus-Christ ou bien pour que Messie soit capable de venir. Et c'est ça que fait Paul dans 1 Corinthiens 1er 23, l'y encourager ou même avec moi aujourd'hui. Et mais ça, Paul déclarait, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Si gon bagay qui doit faire la joie, cœur ou même avec moi aujourd'hui, mais si gon bagay qui t'a doué ranimer notre foi, si gon sujet qui t'a doué ban nous espoir, qui fait nous envie vivre, li pas doué autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que lorsque nous plaignons, lorsque nous pleurons, c'est lui-même qui console nous. Lorsque nous malades, c'est lui-même qui est capable de guérir nous. C'est ça que fait David, fait cette déclaration dans Psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Jésus-Christ est notre espoir. Il est notre délivrance. Il est notre refuge. Et c'est ça que fait les fils de Corée faire cette déclaration. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Raison que fait ces bergers qui te jouent une révélation de la venue du Messie, c'est parce que c'est eux-mêmes qui t'a cherché Jésus. Et c'est ça que fait la Bible déclarée, bon Dieu déclaré dans Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Jésus fait même déclaration dans Matthieu chapitre 7, il dit, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et nous encore, Azaria, un prophète de l'Ancien Testament, il fait même déclaration. Et à travers toute la Bible, il y a une même parole ça a répété. Azaria dit à Israël, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi.
C'est-à-dire, chers amis, n'importe moun qui cherchait bon Dieu, c'est lui-même qui a trouvé. C'est pas position dans l'église qui a fort trouvé bon Dieu. C'est pas titre qu'on gagne qui a fort trouvé bon Dieu. C'est pas son procédé dans la vie qui a permettre qu'on joigne Jésus. Et pour capable trouver Jésus, il faut qu'on cherche. Et si on cherche, on trouve quand même. Et c'est une raison à travers toute la Bible. Non seulement Jésus fait déclaration ça, mais il montre nous dans l'action que le poser, il vit ça que le dit vraiment. Dans l'église là, personne ne doit pas jamais voir. Yo ne doit pas jamais mettre dans aucune position lorsque il y a une nomination. En réalité, c'est pas tout le monde. Tout le monde pas qu'à obliger monter en seule année. Faut que quelques monde qui pourrait chita. Même si yo pas jamais demandé pour venir monter là, pour faire quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui réellement met en relation avec mon Dieu. Ce n'est pas position bien lorsqu'on fait une activité dans l'église. Depuis qu'on cherche mon Dieu a permis de trouver. Nous jouons à travers la Bible en pile histoire qui montre nous ça. Mon Dieu n'a pas fait exception de personne. Quel que soit mon nom, ou c'est pasteur, ou chercher bon Dieu, ou joindre. Ou c'est ancien d'église, ou chercher bon Dieu, ou joindre. Ou c'est membre d'église, ou chercher bon Dieu, ou joindre. Ou dans l'église, pas de monde qui connaît si vous existez, pas de monde qui connaît sous là, pas de monde qui j'aime mando pour faire quoi que ce soit du haut de la chair. Si vous cherchez bon Dieu, ou joindre tout. Ce n'est pas la position qui fait nous gagner importance devant bon Dieu, mais c'est lorsque nous avons une relation personnelle avec lui. Il y a une histoire, la Bible est rapportée, tout évangile est rapporté, mais je me façon, Jean rapporté. Pour montrer nous comment Jésus, le plus souvent, il toujours mette le bon côté de monde, il méprisé. Et non seulement nous, on ça dans la vie, lorsque il vit, il vit avec un paquet, il a toujours parlé Jésus mal parce que il a vivre avec, l'a mangé avec monde qui a une mauvaise vie. Lire les Matthieu qui sont en taxe collecteur et la dormi qui a zaché. Au monde, société n'a pas de vleu. Mais histoire qui retient attention plus, c'est histoire Marie de Magdala. Que nous tous, nous déjà connaissons pas pral chita sur toute histoire. La Bible, façon Jean rapporté, il fait qu'on est que lorsque Jésus ressuscité dans dimanche matin, bien bonheur Marie levée là dans tombe. Lorsque le rivet lui est tombé à vide, il courut retourner pour la dix disciples, mais ça passé. Et Pierre, avec un autre disciple, courut pour y aller garder. Lorsque le rivet, Pierre, qui vient arriver en dernier, il rentrait dans le tombeau, l'a regardé, mais Marie, lui-même, il était, l'a promené, l'a crié, et puis l'a cherché. Maintenant, Jésus vient paraître, bon côté Marie, il dit Marie, pour qu'il soit crié comme ça? Qui est-ce qu'on cherche? Ces questions, ça me pire, mais. Et Marie pensait que c'était jardinier. Elle dit, Seigneur, si c'est vous-même qui retirez, quoi, dis-moi qui compte mettre pour mal prendre. C'est alors que Jésus dit, Marie. Et Marie reconnaît voir ça. Et Marie dit, maître. Et Jésus dit, ne me retiens pas. Dans l'autre évangile, il dit, poko touchez parce que poko monter bon côté papa. Mais ça qui on dit je qui fait lorsque ma pensée ou bien ma méditer sur passage ça qui fait cheveux dans tête moi dressé c'est parce que Jésus fait déclaration dans Jean 4 34 Jésus-Christ déclarait ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Maintenant et à travers toute la Bible Jésus montre nous non seulement le répéter ça souvent mais le montre nous vraiment parce que au jardin de Gethsémané Jésus arrive au moment il dit papa mais ça me t'a remis pour ta fête mais toutefois c'est pas volonté mais que volonté ou capable faire. Cependant mais Jésus qui fait une déclaration comme ça ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et 33 ans après même ange qui était venu annoncer la naissance de Jésus, lui paraît ce dimanche matin, bien bonheur, lui dit Jésus, fils de Dieu, sors, ton père t'appelle. Maintenant, immédiatement Jésus réveillé du sommeil de la mort, premier bagage que il était doit faire, c'est aller monter bon côté papa parce que c'est ça que il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Cependant, Jésus ressuscité,
bien bonheur, l'autre fin tendez appel là, Jésus, j'ai l'impression, il dit, papa, tende-moi un petit poussière moment. Parce que j'ai un monde qui est pour venir côté. Il faut que je rete tant de monde ça. Avant que je monte pour mal bon côté, il faut que je tant de monde ça pour me parler avec lui. Monde ça qui vient côté maintenant, il pas de machine. C'est pas sous une motocyclette que lié, même une bécane, elle pas même sous une bourrique, c'est à pied la marche. Par contre, combien de temps la prend? Elle doit prendre 5 minutes, 10 minutes, elle doit prendre 30 minutes tout. Mais Jésus campé la tante Marie qui vient de côté. Parce que on est Marie a venu chercher quand même. Et Jésus campé la tante Marie. Au compte ça qui fait, je vais dans la tête, moi, dresser les méditer sur le passage ça. C'est parce que Jésus campé pour le temps. Il dit papa, le monde qui vient de côté. C'est pas le souverain sacrificateur qui t'a venu bon côté Jésus, qui t'a venu voir Jésus. C'est pas youn nan sacrificateur yo. C'est pas tu au monde nan Sanhédrin yo, c'est pas les scribes, les pharisiens, c'est pas youn là-dedans yo. C'est pas un gros potentat qui t'a venu voir Jésus. C'est pas nan vrai créole pas noir, c'est pas un grand jupon qui t'a venu voir Jésus. Jésus campé pour le capable d'un yon démoniaque. Yon prostitué qui gagne pour cap vinn chercher Jésus. Mais gens de Jésus que nous avons servi. Jésus-Christ n'a pas fait exception de personne. Jésus-Christ n'a pas de clan. Jésus-Christ n'a pas de parti pris. Moun qui remet Jésus, moun qui servit Jésus, moun qui cherchait Jésus, c'est lui-même qui a joué. Et vraiment, Jésus était tendre Marie. Et il est vrai que, alors que Marie, pas de monde qui te voulait identifier avec Marie. Pas gen moun si yo wè Marie a sorti nan bord gauche yo fait à droite pour moun pa wè y a pas la Marie. Nous rappelons nous alors que Jésus était la caille Simon Pierre nous fait ou bien nous dîner. Marie vient nan pied Jésus, l'a lavé pied Jésus avec de l'eau d'angèle, li séché la avec cheveux dans tête li. Il mettait parfum sous Jésus. Et Simon Pierre dit si Jésus te connaît qui est fils à t'il, pas t'ab même quitté approcher bord côté. Cependant mais monsieur ça le soir il y a pas bise Marie oui le soir yo pas vle moun wè au bon côté Marie la journée mais le soir yo kay Marie je dis à bon tout bagaille même si les hommes pa wou même si les hommes a humilié ou même si moun pa prend cadeau ou même si moun pa konnen existé mais de pour chercher Jésus lui même non seulement ou joine Jésus mais dit la pon la lever tête ou devant les hommes la glorifier et c'est ça le fait pour Marie. Comme la Bible déclare, David qui fait déclaration ça, du fumier, il retire le pauvre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. C'est-à-dire, chers amis, bon, dis-nous bien aujourd'hui, hein. Relationnons-nous avec bon Dieu. Il est vrai que nous faisons partie de yon grande organisation. C'est une organisation qui est implantée par Dieu, la Bible même, et qui, l'Église Adventiste, l'organisation Adventiste, est de Dieu. Bon, dis-nous, bagay. Si vous ne connaissez pas, vous avez ça à l'esprit. Notre relation avec Dieu, n'est pas dépend de l'organisation Adventiste. Notre relation avec bon Dieu, n'est pas dépend des dirigeants de l'Église. Relationnons avec bon Dieu. Il est vrai que lorsque nous avons fait service pour bon Dieu, service là doit être fait avec l'ordre, discipline, etc. Mais relationnons avec bon Dieu, pas dépend de façon nous organiser service culte, non. Relationnons avec bon Dieu. Et nous, lorsque Presti m'a chanté, nous sentons-nous vivre, nous sentons-nous transporter vers le ciel. Bon, dis-nous, relationnons avec bon Dieu, pas dépend de chant. Et Presti m'a chanté. Relationnons avec bon Dieu, il dépend seulement de deux choses. Et m'a dit nous rapidement, il dépend seulement de l'amour que nous manifestons pour Jésus et obéissance nous avec bon Dieu. Point bas. L'amour que nous manifestons pour bon Dieu et obéissance nous à sa parole. C'est seulement deux bagages ça qui ban nous en relation avec bon Dieu. Jésus-Christ fait une déclaration dans Jean 15 14, il dit vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et dans chapitre 1, verset là, Jean 14, 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maintenant, vous êtes amis, bon Dieu, c'est lorsque vous faites ça, bon Dieu, mando, vous faites.
Même Jean tout, si vous remet bon Dieu, il faut que vous fassiez salement pour faire vous faire volonté. C'est ça que fait dans Matthieu 7, 21, Jésus déclaré, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur qui a entré dans le ciel là, mais c'est le monde qui fait seulement qui fait volonté, papa qui est dans le ciel là. C'est-à-dire, pour capable d'avoir une relation avec mon Dieu, il faut remettre Jésus et il faut obéir à sa demande pour faire. Numéro un, ou pas qu'à remettre, et puis, ou pas, ou pour faire sauver, ou obligé d'attendre. Et c'est ça qu'il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Maintenant, lorsque nous voyons, dans l'histoire que nous lions, les leaders, à l'époque, ils n'ont pas de prêt pour recevoir la nouvelle de la naissance de Jésus. Qu'en est-il de nous-mêmes, je dis? Lorsque Jésus est venu une première fois, nous n'avons pas de place pour Jésus. Tout le monde est occupé. Personne ne prend pas un cas de lit. Maintenant, et nous-mêmes, je dis, nous avons même bagaille à dérouler. Pas de place dans Jésus, dans la vie nous pour Jésus. Pas de place dans le foyer nous pour Jésus. Télévision, TV, Internet, tout le bagaille ça prend, tout. Occupé tant nous, et pas de place même dans l'église de Dieu pour Jésus. Aujourd'hui, on nous présente un christianisme sans le Christ. On nous présente un évangile qui crée de l'excitation. Et pas là, mais prédicateur, non, on pour qui raison, membre de l'église qui dit ça tout. Des fois, si on prédicateur paraît là, il prêchait seulement les doctrines de l'église adventiste, ou presque pas web monde qui vient assister dans next day, ou pas web monde qui vient assister. Mais des bons prédicateurs paraît là, dimte ou on louga ou que t'as volé. Demain, si Dieu veut, ou paraît là, pas côté pour mon chita. Nous tous sommes en Haïti, peut-être en plein nous pas de temps de chance marcher dans la nuit, nous te kawe bagay kap vole, tout m'kon we, m'papale, yo dit grand monde dit nous pas parler. M'papale la nuit, mais la journée m'dit ça m'te we. Pour passer les soirs au père ou par contre sa cabine des soirs. Cependant, quand l'évangile aujourd'hui qui a fait actualité dans le monde et l'évangile ça rentré même dans l'église nous. Et gain une citation pour aller rapide pour que nous capables arriver et pour nous capables finir. Il dit le Seigneur veut qu'aujourd'hui ses serviteurs prêchent la vieille doctrine évangélique, douleur du péché, repentance, confession. Il nous faut des sermons à l'ancienne mode, des coutumes à l'ancienne mode, des pères et des mères en Israël à l'ancienne mode. Il faut que nous retournions à l'ancien sentier. Parce que c'est message qui te compte prêcher lorsque Jésus-Christ, avant la première venue de Jésus, c'est message à Jean-Baptiste a prêché. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Lorsque Jésus venait, ce même message-là encore, il prêchait, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et nous, ouais, Jésus, tu prends les 70, la voyons à le prêcher, il dit, lorsque tout côté nous passait, même message pour nous dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Après la résurrection de Jésus, les disciples ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, ils ont prêché. Et lorsque Pierre, Mounio dit, homme, frère, que ferons-nous? Pierre dit, mais bah, au même message là. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, ce même message là, nous devons prêcher encore aujourd'hui. Et chers amis, au moyen du Saint-Esprit, le Christ envoie un message à l'Église chrétienne des derniers temps. Lui, le témoin fidèle, nous dit, je connais tes œuvres. Tu ne connais pas ta condition. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Tu es tiède. Il te manque de la ferveur spirituelle. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et il paraît là, mais il dit nous, qui ça pour nous faire pour nous capables de remédier à la situation. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Maintenant, chers amis, bon Dieu obligé lancer un appel individuel. Et pour qui ça fait, bon Jésus-Christ, lancer appel ça
un appel individuel. Mais pour qui raison? Bon Dieu pas intéressé, Jésus pas intéressé pour lancer appel collectif parce que il réalisait l'église a pas bon. Ou même avec moi et me connaît m'a grand pile monde qui rejoindre moi en ce sens parce que en pile fois me tendant pile frère axe à poser question dirigeant pas fait ceci, yo pas fait cela. L'église là pas bon. Pour qui ça nous pas fait ça? Pour qui ça nous pas fait ça? Bon Dieu grand façon il résout le problème. Bon Dieu, Jésus-Christ, ouais, même bagaille qu'on voit, dit ouais, l'église n'a pas bon vrai. Et lorsque bon Dieu, après Jésus-Christ, après résoudre problème, il résout les différents que vous-même avec moi. Il paraît pour la plaindre seulement, ni il pas aller à la surface pour la essayer résoudre problème non, mais Jésus a la racine problème non, pour que le capable résoudre lui. Il y a une raison qui fait l'église n'a pas bon, c'est parce que moi-même qui parle avant là, pas bon, ou même qui attend de non, ou pas bon, lui pas bon. Yo pas bon. Et c'est moi-même avec vous, avec lui et avec yo qui met ensemble qui vient faire l'église. Si nous yon pas bon, comment t'as fait comprendre pour l'église bon? Maintenant, Jésus-Christ réalise le problème non, il dit m'pral nan racine problème non. Et là les la caille nous chaque individuellement. Et Jésus lance appel individuel ça. Il dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Nous voyons une relation qui est en commencé à établir. Sous-tendez voir Jésus, ou l'ouvrir Bali, la rentrer la caille, ou la manger avant, ou la manger avec Jésus. C'est-à-dire une relation qui commence à établir. Maintenant, pas de temps pour l'autre monde. Et bon, dis-nous bien, au cours de la semaine, ma pensée avec. Pandémie, ça a commencé, m'a imaginé. Et est-ce que nous connaissons le privilège que bon Dieu ban nous, une bonne occasion, bon Dieu ban nous, pour que nous capables de développer une relation personnelle avec lui? Nous pas de temps pour nous venir dans l'église pour nous l'autre monde. Nous pas de temps pour nous veiller ça l'autre monde te doit faire, puis pas fait. Nous pas de temps pour nous faire petit pile gros pile. Nous pas de temps pour nous former clan dans l'église là. Nous pas de temps pour nous pour l'autre monde. Maintenant, nous faisons dans le caillou, c'est vous-même avec Jésus seulement. Maintenant, souvent, dans le cas où c'est vous avez perdu, vous avez pensé à l'autre monde, qui ça l'autre monde a fait, ça, ça ne pas qu'à dire qu'on a perdu, mais où on a pour faire. Maintenant, Jésus lance appel ça, et alors qu'il a lancé appel là, il y a un bagaille qui rappelle nous. Il dit, c'est pas reprocher Jésus a reproché nous, mais il joigne avec ce poète qui écrit le chant 237, qui dit pour toi, j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai versé mon sang. Pour toi, j'ai quitté mon père. Pour toi, j'ai quitté mon trône dans les hauts cieux. Pour toi, j'ai quitté les alléluia joyeux. Pour toi, j'ai pris la souffrance. Pour toi, j'ai versé des pleurs. Pour toi, j'ai bu la coupe de douleur. Mon pardon, ma délivrance, mon salut. Tout est à toi. Tout est à toi. Tout disponible pour. Et il pose nous question ça. Et toi, pécheur, qu'as-tu fait pour moi? Mais tout ça me fait pour vous. Mais tout ça me quitte pour vous. Qu'as-tu fait pour moi? Et vous-même, qui sont fait pour moi? Qui sont quitté pour moi? Qu'as-tu laissé pour moi? Qui sont connaît ou a fait que bon Dieu parle, mais bon Dieu pas d'accord? Ou connaît le pas bon? Mais jusqu'à présent, pourquoi vous voulez quitter? Pensez avec ça, Jésus prend pour vous. Qu'as-tu souffert pour moi? En pile, monde parfois dans l'église, seulement un petit problème. Appelez un pasteur à passer sur moi, il ne pas dire bonjour, il ne à lui. Bon, ou pourquoi prend un coup? Ça, Jésus souffre pour vous. Bon, pourquoi souffre pour vous? Il y a un monde qui garde au mal ou commence à vouloir quitter l'église. Quand vous prenez, chers amis, frères et sœurs, bon, dis non. Jésus revient bientôt. Jésus revient encore une fois sur la terre. Après si longtemps, la promesse du retour de Jésus est sur le point de se réaliser. Et dans pile prophétie ou bien signe qui fait nous connaître vraiment, Jésus-Christ lié à la porte. Paul fait cette déclaration dans Hébreux chapitre 9, verset 28. Il dit de même, Christ,
qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtront sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Jésus-Christ a pour retourner vraiment. Et bon, dis-nous bien, il y aura du bonheur à aller avec Jésus dans la demeure céleste. D'ailleurs, c'est capable de dire ces dernières promesses que bon Dieu t'a fait nous en vente et confier nos missions que nous devons à l'église dans Matthieu 28. Ces dernières promesses que t'a ban nous, il t'a fait nous, je vais vous préparer une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous pouvez imaginer pour un instant celui qui ne trouva pas de place à l'auberge nous conduira lui-même à la maison de son père. Celui qui naquit dans une étable parmi les animaux nous donnera une place dans la ville pavée d'or auréolée de gloire et de lumière. Celui qui ne fut pas reçu par les hommes nous ouvrira les portes de perles de la sainte cité de Dieu. Hein? Pas de monde qui courait Jésus vraiment. C'est Jésus pour ta Jésus. Ou ka imagine, ou m'ta allé en Haïti pour m'aller des peuples en Haïti. Les m'rive, yo pas prendre camion, maltraité, yo fait m'passer misère. Et puis, mais kounya, alors, ben nous dit m'ta allé en famille pour m'aider. Et puis, mounsa ou fait m'passer misère. Mais kounya, c'est mounsa la vine la kaye ici. Kounya, c'est mouk pral héberger mounsa. Gen nan nous t'ap reproché mounan quand même. Cependant, nous pas de recevoir Jésus, mais qui ça le fait? Lui-même, lui recevoir non. Celui qui mourut sur la croix au mont Golgotha, qui a reçu comme boisson du vin mêlé de fiel, nous fera don de la vie éternelle et nous conduira aux sources d'eau vive. Et c'est là sa femme samaritaine n'a pas comprendre ça Jésus te veut dire lorsque il te dit sous tes comptes qui moun moyé, on t'a bord de l'eau pour que nous t'a bord de l'eau pas bien soif encore. Celui qui ne fut pas accepté par son peuple nous conduira en présence de son père. Confessera notre nom en disant, mon Père, j'ai souffert et suis mort pour eux. Ce sont mes frères, reçois-les comme tes fils et tes filles. Oh, chers amis, oh, quel beau jour où devant la face de Dieu, tous les rachetés apparaîtront en célébrant la gloire et la grâce de Dieu. De nos chants, les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages. Juste à chers amis, c'est un jour où même avec moi, nous ne sommes pas capables de rater. Et le vœu de mon cœur, pour nous chaque qui là, matin, après-midi, ça, et quel que soit côté ou attendez, c'est prier pour ou même avec moi. Pour que juste ça, nous sommes capables de trouver nous sur la mer de verre, pour que ensemble, avec les rachetés de tous les âges, pour que nous soyons capables de privilèges pour nous chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Et jour ça, n'a oublié toute bagaille, n'a oublié coronavirus, n'a oublié moment nous passer sans travail, n'a oublié jour de douleur et n'a oublié toute bagaille parce que toute chose a vie nouvelle. Chers amis, et là seulement là, n'a pas de privilèges pour nous capables adorer bon Dieu. Comme le chant 169 dit et laisse ça, nous donnons gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide en ce sens et qu'il nous bénisse abondamment et passez un bon sabbat dans le Seigneur. Amen.